بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La semaine dernière, nous avons parlé de la théocratie, qui est un système de gouvernance où les gouvernants ou le gouvernant est investi par un pouvoir divin à travers lequel il va représenter Dieu sur terre. Nous avons terminé l'émission en citant par exemple l'Inquisition ou certaines déviations engendrées par ce système. Je vous disais que, par exemple, les papes étaient en mesure, pour peu qu'ils publiaient une bulle, de faire n'importe quoi. La bulle Vergentis in Seneum, du 25 mars 1199, a instauré l'Inquisition, une phase de l'histoire qui pourrait être, on va dire, vue comme étant l'une des plus sombres de l'histoire de l'humanité. L'Occident, par la suite, a combattu justement ce système. Il a combattu ce système à travers un certain nombre de mesures politiques, et avec cela est venue, surtout en France, la laïcité ou laïcisme. Et le problème est que les gens qui s'opposent aux religions au pluriel en Occident ont tendance, dans leur européocentrisme ou dans leur esprit, on va dire, nombriliste, européens, à ne réfléchir qu'à travers ce que eux-mêmes connaissent. Et avec les grandes périodes coloniales, ces gens-là ont pu non seulement coloniser des terres, mais des esprits. En repartant, ils nous ont laissé ces esprits dans nos pays, qui maintenant, eux, appellent aux mêmes choses auxquelles appellent ou ont appelé ces Européens, à savoir, en système, en matière de gouvernance, la laïcité. Alors au début, la laïcité n'était pas appelée la laïcité, on appelait cela le laïcisme. Et la chose, beaucoup, quand je discute en tout cas avec les gens dans la rue, c'est comme si, surtout pour certains francophones, mais alors plus qu'acquis à la France, on a l'impression que c'est la Révolution française qui a apporté cela. Alors qu'en fait, la Révolution française, et je vous invite à lire ce que disent à ce sujet bon nombre d'historiens, dont beaucoup qui sont français, la Révolution française est elle aussi l'une des phases les plus sanguinaires de l'histoire, les plus barbares, les plus atroces. Et elle n'a vraiment rien à envier à l'inquisition papale, à l'inquisition de l'Église de Rome. Et donc, ça n'est pas justement cette pseudo-révolution qui a apporté les Lumières et je ne sais quoi, qui aurait apporté la laïcité. Le laïcisme est un vieux principe qui remonte à la fin du 5e siècle de l'ère chrétienne. Dans une lettre adressée par Anastase Ier, qui était pape entre 496 et 500, si je ne m'abuse, à l'empereur Anastase Ier, il est fait mention d'un royaume de Dieu dans le ciel et d'un royaume des hommes sur terre. Donc la part des choses était faite. La laïcité, même dans son début ou au tout début, était un système de complaisance qui a été, on va dire, instauré, imaginé par des religieux juste pour contenter l'empereur, pour faire bon ménage entre le culte de Dieu et le culte de l'empereur, pas plus ni moins. Et ce que beaucoup de nos chers musulmans ne savent pas ou occultent, c'est que quand on est musulman, on ne peut pas s'affubler de cette appellation de laïque. On ne le peut pas. C'est, imaginez, vous êtes musulman et on vous appelle le musulman chrétien, le musulman juif, le musulman nazi ou je ne sais quoi d'autre. Ça ne passe pas parce que vous êtes musulman. Vous êtes dans un système de pensée qui oppose à tout cela. Le laïc, par opposition au clerc,
du latin et du grec laïkos et laïkoum, par opposition, toujours respectivement dans le latin et dans le grec, à cléricos et cléricum. Le laïc, c'est le commun des chrétiens. Quand quelqu'un disait à l'époque « je suis laïc », ça veut dire que c'était un chrétien, mais qu'il ne faisait pas partie de la classe théologienne. Il n'était pas ministre de Dieu, il n'avait aucune charge ou aucune profession l'assimilant ou bien le collant à cette organisation qui était l'Église de Rome, l'Église catholique. C'est ça le laïc, par opposition au clerc, le commun des chrétiens. Alors je vous laisse imaginer, est-ce qu'on a le droit, moralement parlant, est-ce qu'on a le droit d'un point de vue éthique, ou est-ce qu'on a le droit, quand on a un semblant de jugeote, entre guillemets, de s'affubler de pareille appellation? Je suis laïque. Et quand l'adhan dit Allahu Akbar, je rentre dans la mosquée. Ça n'a pas de sens. Même si le fait d'être laïque n'est pas. Nous ne considérons pas cela comme comme un péché ou comme une hérésie. Mais soyons sérieux. Quand on s'affuble d'une appellation, il faut que cette appellation soit en adéquation avec ce que nous sommes sur le plan religieux, sur le plan en termes de foi, sur le plan culturel, et j'en passe. On ne peut pas s'appeler laïque. Sauf que ceux qui sont dans nos pays qui veulent imposer ce système ne font pas mieux que les théocrates, ceux dont nous avons parlé la semaine dernière et au tout début de cette émission. Parce que, à la limite, là où les intérêts sont plus ou moins menacés, tout le monde joue le même jeu. On passe à l'oppression, une oppression qui va être le pendant ou le miroir de l'Inquisition chez le théocrate. Le théocrate ne permettait pas que l'on sorte des livres ou que l'on publie un livre jusqu'à ce que lui-même vous en donne l'autorisation. Il y avait dans l'Église de Rome les trois labels qui étaient à la fin. Donc il y avait le nihil obstat, le potest et l'imprimatur. Ce n'est que quand on avait l'imprimatur qu'on pouvait publier un livre. Là, il y a chez ceux-là, il y aura une censure qui sera, on va dire, on va lui donner de la légitimité, là encore, par des termes que l'on va inventer. Vous dites quelque chose de vrai, ou bien vous êtes opposé à quelque chose qui est en contradiction avec la nature humaine, on va vous classer parmi les radicalisés, les radicaux, les intégristes, les arriérés, les gens qui menacent les libertés. Et on va user d'un certain nombre d'outils, tels que la sphère médiatique, etc., pour essayer de réduire votre champ d'action, réduire votre liberté à arriver à ce à quoi vous aspirez. Donc, je ne m'oppose pas comme ça d'entrée de jeu à la laïcité, mais j'ai mieux en tant que musulman, j'ai beaucoup mieux. Plutôt que de faire dans un système qui, avec le temps, a fait non seulement de la dérive sémantique, mais a dévié complètement de son contexte. La laïcité était quelque chose qui, à la base, devait servir à protéger les religions, est devenu à l'heure actuelle le synonyme de ce que nous appelons en langue arabe l'ilhad, c'est-à-dire l'athéisme. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنت. À l'heure actuelle, dans certains pays européens, être laïque signifie que l'on ne croit pas en Dieu. On n'essaie pas uniquement de faire en sorte que la religion soit placée dans une sphère, ou demeure uniquement dans une sphère privée. Non, on va carrément tenter d'annuler toute idée de Dieu, à commencer par les programmes scolaires. Et beaucoup de chrétiens actuellement en Occident souffrent de cela. Ils n'ont pratiquement, leurs enfants n'ont pas le droit de parler de Dieu dans l'école. Alors que dans cette sphère publique, dans ce lieu de connaissance, l'on est censé écouter de tout. On est censé avoir accès à tout. Pour peu qu'il y ait un certain nombre d'informations qui nous enrichissent, qui forgent notre esprit et qui nous donnent matière à exercer notre libre arbitre en connaissance de cause. Ça n'est plus le cas. Ça n'est pas du tout le cas. Et le modèle, justement, qu'a offert l'islam, non seulement il s'oppose à toute idée de théocratie, parce que nous n'avons pas de clergé, nous ne sommes pas ministres de Dieu, et même un grand savant, un imam ou un juge est censé représenter le savoir qu'il a acquis, pas plus. Nul d'entre nous, même si quand nous parlons d'un mufti, nous disons de lui hada muwaqqi'un 'anillah, c'est un signataire à la place de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens viennent lui dire que veut la religion dans ce domaine, quel est l'avis de la religion concernant cette question, et lui est censé donner des réponses d'ordre religieux pour conforter les gens dans leur foi. Donc il parle en quelque sorte au nom de la religion, mais ne parle jamais au nom de Dieu. C'est comme ça que ça marche chez les musulmans. Et donc, non seulement l'islam a pu mettre tout cela de côté, mais l'islam a fait en sorte que la religion engage chacun vis-à-vis de Dieu. « Ya ayyuhalladhina amanu la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum » Donc si vous êtes sur le droit chemin, rien ne peut vous nuire, encore moins ceux qui ont choisi la voie contraire à la vôtre. Donc non seulement nous ne sommes pas dans ce système, mais nous sommes aussi dans un respect de la vie publique, dans un respect de cette sphère qui est la sphère publique, sans pour autant toucher ou porter préjudice à tout ce qui a trait à la religion, autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. Et nous avons dans l'histoire des musulmans une multitude, toute une histoire en tout cas qui ne cesse de prouver cela. L'islam a été présent plus de 7 siècles en Espagne, il a été présent en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, en Pologne, il a été présent dans une grande partie du sud de la France pendant au moins 4 siècles, rien de tout ce qui fait actuellement ces États n'a disparu. Cette laïcité que l'on a voulu nous imposer ici en Algérie à partir de la loi 1907, instaurée par la France, autant en France, à l'époque on l'appelait métropolitaine, qu'ici en Algérie, qui selon certains a été inventée par la France, eh bien, cette laïcité qu'on a voulu nous imposer, elle nous a coûté très très cher, dans la mesure où 132 années ont suffi à effacer toute une histoire de l'Algérie. Donc ça aussi c'est un système auquel il va falloir réfléchir. Nous avons des constantes dans nos pays qui sont l'islam entre autres, dont l'islam fait partie. Il va falloir y réfléchir et y penser à plus d'une reprise à l'avenir. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.